4 octobre 2020, il est 19h15. Ceci est une vidéo YouTube que je destine à Monsieur le Président du Conseil Général du Bas-Rhin de Strasbourg, Frédéric Bierry. Monsieur Bierry, bonjour. Plutôt bonsoir. Et bonjour. Alors voilà, Philippe Stocker. Je suis moniteur auto-école au chômage, allocataire du RSA et en situation de survêtement. J'ai comme référente madame, ça commence par un H, c'est pas la môme du 8ème, comme Chantronneau dans mon HLM. H ou Et donc, et donc, je suis un peu monté le son, hein. Ça, c'est une vidéo, elle est relativement longue. On vit dans un monde de fou, les gens n'ont plus le temps. Comme Jean Jack, du tronc aussi, j'ai déjà donné 20 000 heures d'auto-école, 450 000 km, cette fois 11 fois le tour de la Terre. C'est donc pas une story Facebook, comme dit mon idole Georges Carlin. Get fancy, go to the court of physics. J'attends des propositions de votre part, du conseil général, voire de la mairie de Strasbourg, la nouvelle maire, madame Jeanne Barzéguin, que j'ai contactée récemment, enfin une de ses secrétaires principales. Elle s'appelle très exactement Élise Futterer. Merci de me recontacter demain au 06 35 17 65 33 ou 06 02 34 95 13 parce que avec 495 euros de RSA, on ne va pas très loin. Mais surtout, j'espère que si Madame H.O. a été désignée comme étant ma référente, ce n'est pas comme dit Georges Carlin, and now they want the money back so they can give it to the criminal friends from Wall Street. On vous a écouté, on vous a acclamé. C'est le truc qui change. Il y a 20 ans, on ne peut plus vous respirer. Il est poli. Mais rester sur une petite note positive, appelez-moi plutôt sur le 06 monsieur Bierry, 06 02 34 95 13, parce que c'est le mot technique, c'est plus facile à se rappeler, comme dit Jean-Claude Godin. 06 02 34, c'est le mot technique, et 95 c'est la banlieue du Lyonnais, et le 13 c'est les Bouches-du-Rhône, c'est anciennement Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin qui dit que il fallait pas attendre Dieu la nuit à Marseille pour avoir le délire à Marseille. Avec une simple petite pince, Monseigneur, tout le monde a accès à un vélo. Il y a même les filles qui sont en accès libre à Marseille, à la Canebière. J'attends.